Coucou les amis! Eh bien, aujourd'hui, nous allons semer de la salade, Jaco. Alors, de la salade dans des plateaux alvéolés. Alors là, c'est. Vas-y, fais voir, c'est ce qui nous reste de salade maison. Donc, À force de donner, on n'a plus. à force d'en donner, eh ben, il nous reste plus que ça. Mais on va l'appeler la salade de mode. Bientôt, ça sera la salade de mode, la salade de David, la salade de C'est tout tous le ceux qui monde. ont eu de la salade maison. Et bon bah là on en a gardé deux hein, pour les faire monter en graines hein, mais bon voilà. Alors vas-y Jaco, tu vas nous faire quoi là avec ton terreau? Vais semer mes salades sur un plateau gelé. Oui. C'est plus pratique pour le rempotage après ou même le remplissage en pleine terre directement. Ah, je prends toujours un terreau universel. Hein? Là, c'est toujours bœuf. Il va bien en motte. Quand il est bien trempé, il tient bien les mottes. Donc, il faut remplir les alvéoles. Ben, là, j'y vais. Hein? Je mets le paquet. Ah ouais, Voilà. là c'est dur, Alors, hein? je couvre tout le plateau comme ça, Ouais. assez épais. Je remets quand même peu. Me suis fabriqué ça. C'est pas mal. Très bien. Ça vient remplir le plateau. Un petit peu. J'ai changé de côté parce que je faisais de l'ombre à Jaco juste à la porte, alors j'avais peur Maintenant, il qu'on voit faut. pas bien ce qu'il est en train de faire. Maintenant, je vais creuser les alvéoles. Je vais mettre mes graines. J'ai mis mes graines là-dessus. Ça va pas tenir à l'arrosage. Non, je crois pas. Ben, moi, je prends ça. C'est tout simple, hein. Je prends le plantoir, en fait. Je mets Allez. seulement manche, et ben voilà. Ça me fait juste l'alvéole. Voilà, les petits Voilà. trous sont faits. Comme le poissonnier des lilas. C'est quoi le rapport? Des petits trous, toujours des petits trous. Bon, maintenant c'est fastidieux. Ah là, oui, maintenant. Ah, voilà, c'est des graines comme ça, hein, des graines de salade. Bon, vous Ouais, pouvez voir. vas-y. Moi j'en mets deux par alvéole. C'est long, hein, je vous le dis tout de suite. De la patience. C'est ouf, mais ça vous permet d'économiser des graines. Avec un sachet. Si vous achetez un sachet de graines, vous pouvez faire 3-4 ans avec le même sachet. Hein. Voilà, j'ai rechangé de place parce que en fait je joue avec le soleil en même temps. Parce que y a le soleil, il n'y a plus de soleil, il y a le soleil, il n'y a plus de soleil, donc on voit pas ce que Jaco y fait. À droite, à gauche, quoi. Bah ouais. Donc là, hop, deux petites graines à chaque fois. Un petit oiseau a pris sa volée. Ça va aller, C'est Jaco? ça? Ouais. Bon, je te les ai finir là. Voilà. Donc Jaco est en train de mettre les graines de salade sur son plateau. Je voulais vous montrer le passiflore que Daniel m'a offert. Bon bah là bien sûr il a fait plein de fleurs, elles sont déjà fermées, mais là ici j'en ai encore deux super belles. Et là on est sur les lavater. De David et Linda. Magnifique. Bon ben voilà, je suis arrivée juste à temps, hein. Jaco, Il rigole il a pas, terminé. le printemps que t'es blablate. Ben oui, mais je suis partie me balader dans mes fleurs. Voilà. Alors Maintenant, maintenant on va faire quoi? il faut recouvrir les graines, on peut les laisser le soleil, ils vont rayer. Alors, on recouvre mes graines. Je cours après. Ben voilà qu'il retrouve plus son matériel. Ben, je le range, quand je le range, je le trouve plus. Ah ben voilà, faut pas ranger. J'ai pris ça, moi. Alors ça c'est une vieille passoire. Passoire à nouilles. Ouais, enfin une passoire à ce qu'on Ah veut, oui. hein, c'est. Maintenant, c'est une passoire à terreau. C'est des trucs qu'on trouve quelquefois dans les foires fouilles à 1 euro.
Voilà. Et voilà. On secoue, on secoue, on secoue. On tamise le terreau. Pour couvrir les graines légèrement. Hein. Une graine, il faut la couvrir deux fois et demi l'épaisseur de la graine, pas de plus. Voilà. Ça, c'est un plateau. Ah ouais, super. Hein, beau, hein? C'est très très beau. Hop, hop, hop. Je fais pas d'enduit, hein, je fais... En fait, tu utilises tout ce qu'il y a dans... Tout ce qui te tombe sous la main. Tout ce qui te tombe sous la main, quoi. Allez. Tu as deux vies, fille. Oui. Au moins. Et ensuite, un petit coup de, d'arrosage. Oui, il faut toujours arroser. Bon, au départ, on pulvérisateur, on peut passer dessus. C'est là qu'il va tremper. Pour ceux qui maîtrisent, ils peuvent faire le travail. Le trempillage. Ouais, là, faut maîtriser. Hein. Ouais, là, faut maîtriser. Là, vous mettez un peu d'eau dedans. Vas-y. Alors, vas-y, un peu d'eau. Bon, après, voilà, ça reste. C'est de la terre. Hein. Ouais, mais. C'est pas sérieux. Ouh. Ça a volé de partout. Bon, voilà. Allez. Je vais remplir tout ça. Léger, faut pas remplir le trou non plus. Vous en mettez... Bon, je dirais rien, 1 cm. 1 cm d'eau. On trempouille ça. Et on laisse absorber l'eau. D'accord. Donc, et là, juste au-dessus, tu vas faire le pulvérisé après. On peut, ouais. D'accord. Sinon, on n'est pas obligé, là. On n'est pas obligé. Du fait qu'il est... voilà, là, ça va. Par contre, quand on fait ça, il faut toujours charrier. Parce que on se dit, bon, ben, c'est bon, je fais tremper, je suis tranquille. Et puis, deux jours après, il fait chaud. Et puis, c'est sec. Mais puis, ça meurt. Ah oui, ben oui, forcément. D'accord. Donc, il faut toujours, toujours vérifier qu'il y a toujours un petit peu d'eau. Il ne faut pas non plus que ça trempe de trop, hein. Non, il faut vraiment... Je sais pas si je... Oui, donc c'est bon, c'est bien. Je vais pouvoir en mettre un peu. Un petit peu. Ça marche. Donc là, on a un peu de rempotage à faire, je crois. Oui, mais la suite. Je vais savoir comment ça sort après. Allez. Alors, nous voici ben, toujours avec notre fameux terreau de rempotage. Hein, universellement, c'est du terreau pour tout. Ouais, pour tout, il sert à tout. C'est universel. Donc, ouais. Pour moi, c'est tout. Quand c'est universel, c'est pour tout faire. Je fais le semis, je fais le rempotage, je fais tout avec. D'accord. Voilà. Ça marche. Ah, un plateau que j'avais fait il y a 3 semaines. Ouais, 3 semaines, ouais, le 30, ouais, 30 mai, ouais, ça fait 3 semaines à peu près. Ouais. Alors, du brocoli. Oh, bonjour. Qu'est-ce que c'est? Elle est partie où? C'était une chenille. Je ne sais pas où elle est partie. Elle est partie sur les sacs. Bon, alors, du brocoli. Brocoli. Ben, ce qui me reste, parce que ça a été visité par les escargots. Ils ont fait un resto basket. Alors, c'était plutôt un resto bavette. Baveuse. Bavette. Bavette. Là, c'est des betteraves cylindriques. Mm-hmm. C'est la betterave Winterkeeper. C'est la première fois que je l'avais. Hein. C'est rien qu'on m'a donné. De la salade du prisonnier. Alors, pareil, ça, c'est un échange qu'on a eu avec Sylvain Népel. Ouais. Donc, elle a été baptisée la salade du prisonnier. Mais il m'en manque aussi. Ouais, c'est pour ça qu'on avait mis des granulés, parce que bon, c'est du bio. Alors, peut-être un petit historique pour la salade du prisonnier. Si j'ai bon souvenir, Sylvain, si voit notre vidéo, peut-être donnera un peu plus d'infos. C'est une salade qui était semée pendant la guerre. Ouais. Et c'est pour ça qu'on l'a appelée la salade du prisonnier, parce que quand ils étaient dans les camps, justement, de prisonniers, ils n'avaient presque rien à manger. Et puis, bah, ils ont découvert cette salade et puis, bah, ils ont baptisé cette salade la salade du prisonnier. Ouais. Voilà. Et ça, c'est des choux fleurs, sans fleurs. Ah bah voilà, il n'y a pas de fleurs. Pour l'instant. Alors, c'est du chou fleur des 4 saisons ou de toutes saisons. C'est la même chose. Hein. Mm. Et c'est celui qu'on peut mettre... Tout le temps, je crois. Hein. Tout le temps, oui. Ouais, c'est pour ça qu'il l'appelle toutes saisons, un truc comme ça. C'est plus pratique de mettre celui-là, au moins on est sûr de ne pas se tromper. Mm, ouais. Il y a des variétés qu'il faut mettre plus tardivement. Plus... Il y en a qui font mettre au printemps. Ah oui, d'accord. Il ne faut pas tous les mettre en même temps. Bon, là, vous voyez, alors... là... J'ai pas mis plusieurs graines, j'ai mis une seule graine. Hein. Et alors pourquoi ça fait ça? Parce que les graines de betterave, il y a. En fait, on va dire que c'est une enveloppe avec des graines dedans. Il faut vous mettre une grosse graine. Mm-hmm. Donc là, j'en ai 3. Je vais essayer de les séparer.
D'accord. Donc en fait, la graine qu'on utilise pour les betteraves, elle est toute seule et quand elle éclate, au moment où elle est prête En fait, à... c'est pas une graine, c'est une enveloppe qui contient des graines. C'est... Ben oui, mais oui. Hein? Hein, c'est ça? Voilà. Donc, ouais, ça nous fait trois. Des fois, il y en a Ça deux, nous des fois, fait il y en a trois. trois. Bon, ben, Voilà. ça marche. C'est pour Alors... ça que quand on dit je vais semer mes betteraves claires, comme ça, j'aurais pas besoin de dédoubler, c'est faux. Parce que. Bon, ouais, parce qu'automatiquement, il y en a plusieurs qui sortent. Voilà, Donc... à chaque enveloppe de graines que vous mettez, ben, je sais plus le nom exact. C'est une enveloppe avec des graines dedans. D'accord. Un petit truc, par contre, c'est un avantage de faire des semis dans les plateaux alvéolés comme ça. Ouais, parce que même ceux-là, elles étaient toutes petites, là, ben, je vais pouvoir les rempoter pour être Oui. tranquille, comme ça je fais tout d'un coup. Et en plus, on peut faire plusieurs variétés différentes. Oui, mais il faut faire des variétés qui vont lever pratiquement tous en même temps. Par exemple, il ne faut pas faire du persil et des salades, parce que du persil, il faut 3 semaines, et la C'est salade, très il faut long. 8 jours. D'accord. Voilà. Il faut Donc. toujours mettre des variétés de légumes qui vont lever, ou de fleurs, hein, Ou fleurs, bien sûr. qui vont lever tous ensemble. D'accord. Donc Ou là, presque ensemble, des fois une journée ouais, près, bien hein. sûr. Là, on va passer au rempotage. C'est moi qui fais encore. Oui, c'est toi. Ah, Ouais, d'accord. Ok. Allez, Bon. on va préparer. Allez. Alors là, on va commencer par le rempotage des choux-fleurs, Jaco. Je vais faire les choux-fleurs. Hein. Dans des pots de 7. C'est des pots de 7. Tu Oui, me mais trompes pas. pratiquement tout ça, ça va être en pot de 7. Hein. Ah, pratiquement tout. Oh, D'accord, ça marche. voilà. Alors, je vais calculer combien je vais en mettre dans le jardin. Parce que si je me j'en mets une dizaine, je ne vais pas en repoter 10. Hein. Ouais. Il faut laisser une marge d'erreur. Donc je vais faire 15 si j'en mets 10. Au cas où. Et moi, je ne vais pas en mettre 15, c'est beaucoup. Donc là, bah, de toute façon, Ouais, je vais faire tout ça. Hein. Ouais, tu vas faire les plus beaux. Ouais, je fais les Bon, plus en beaux. même temps, il n'y en a pas 15 non plus, là. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 11. Voilà. Allez, on est parti. Voilà, un petit truc, parce que il faut chasser l'air. Chasser l'air du pot. Du terreau. Du terreau. Ouais. Un trou, bien au milieu. Toujours centrer sa plante. Dis-toi, tu chantes depuis tout à l'heure, moi j'ai le droit de dire des conneries. Mais non, t'as bien à dire des conneries. Bah oui. Voilà, toujours bien au milieu. Hop, la petite motte qui va bien. On n'appuie pas trop fort. Voilà. On y Voilà. va Voilà. doucement. Enfoncer un peu quand même pour que le sujet soit enfoncé un max. Et voilà. Et voilà, un petit coup d'arrosage. L'avantage avec ces plateaux-là, c'est qu'en dessous, il y a des gros trous. Et j'ai pas de mal à les pousser. Ça Hop. vient tout seul. Hop. Passe. Avec un doigt, je passe. Ça fait une motte. Ça marche. Vas-y, pose là pour... J'en fais un. Allez, vas-y, un deuxième. Tout ça. Une claquette. Hop. On fait 7. Et voilà. Voilà. Et là, ben, on va faire ça avec tout ça. Et je vais faire aussi Les les betteraves? betteraves, tiens. Et ça aussi, c'est là, oui. Attends. Voilà, et je vais la prendre comme ça, puis je vais tirer tout doucement comme ça pour les écarter. Oui, comme ça, il reste un peu de Voilà, terreau dans la racine. pour éviter que la racine soit en terre. Ouais. Tout doucement. Voilà. Ah oui, Faites doucement, hein. faut vraiment y aller doucement. C'est délicat. Hein. Et là, les mêmes pots, hein. On a dit tout en pot de Toujours. 7, hein. Ouais, trois pots de 7. Tout en pot de 7, ça Pour marche. les betteraves, vous pouvez aussi les semer à pleine terre. Hein. Oui, là, on peut les mettre direct en pleine terre, Mais là. quand vous n'avez pas de place au Non, jardin, mais là, comme ça, on peut pas les mettre en pleine terre tout de c'est suite. petit, C'est hein, les risqué. limaces, ils vont se faire Ah oui. un festin. Ah oui, bah donc, vaut mieux les rempoter, alors. Bien les enfoncer jusqu'aux feuilles, enfin, jusqu'aux cotylédons. Voilà. Mais je disais, vous pouvez les semer en pleine terre. Ah, pardon. Voilà. Encore maintenant? Ben oui, hein. Oui. C'est encore la bonne époque. Vous les semez en pleine terre. Là, ils vont être plantés en pleine terre vers le 1er juillet. Mais le principe comme ça, c'est bien, c'est quand vous n'avez pas de place au jardin. Le jardin est plein, puis vous savez qu'après quelques cultures, vous allez pouvoir mettre ça. Mais en faisant comme ça, vous prenez de l'avance. Ouais, voilà. Ouais. Voilà. Souvent, c'est après les pommes de terre. Quand on a les premières pommes de terre, on a de la place après. D'accord. Donc, Bon. hop. Ils sont où les autres? Ah, oui. On voit, là, il y a plein de. Attends.
Baisse un peu parce que là, oui, excuse-moi, on ne voyait pas avec le. Voilà. Hop, non trop. Hop. Il y a toujours un arrosage, mais pas plaqué. Il ne faut pas plaquer les feuilles. Toujours un peu plus C'est baisse, bon vous là. pouvez autour. Bon, ben, par capillarité, mais ça, je ne peux pas trop vous dire ça parce que. Ouais, c'est pas top, Faut hein. maîtriser. Ouais. Il faut maîtriser. Ah, mais moquin. Ah oui, bah, je crois que tu l'as. Je crois que tu l'as destroyé, Jaco. Et je crois que tu l'as destroyé. Bon, ben bah, tant pis. Non, je suis triste. Bah oui. Bon, bah écoute, on va essayer de le retrouver. Ah, Ah, le v'là. bonjour, hein, celui-là. Ça y est. Bon, Oh, celui-là, c'est un rescapé, hein. Oh! pas des betteraves et des plumes. Oui, mais quand même. Bon, ça va, il est resté beau, là. Après, quand vous la replantez au jardin, vous plantez ça tous les 10-15 cm. Ça Voilà. marche. Bon ben voilà, allez, on a du boulot. Parfait. Après un petit arrosage. Un arrosage toujours, oui. Bon, maintenant, ce que je vais faire aussi. Hop. Il ne faut pas oublier qu'on n'est que mi-juin. Il y a la mi-juin. On a encore des courges. Mais des courgettes. Et tout ce qui va avec. Là, Hop. on est un peu plus que la mi-juin, là. On est Oui. le. Ouais, Jusqu'à mi-juin. fin juin, vous Jusque. pouvez y aller. Ouais, hein, ouais. Hop, je vais faire ça, de la courgelle. J'ai pris un pot de 10 pour ça. Un pot de Vous pouvez prendre un 10. pot de 9, hein, un pot de 9 comme ça, c'est bien. Un pot de 9. Vous Ouais. pouvez prendre ça aussi. Ok. Ouais, pot de 9, pot de 10. Bon, Voilà. on n'est pas. Oh, la boulette. Ça arrive, hein. Bah ouais. J'avais pris mes graines de salade. Ouais, bah c'est pas Et grave. du coup, je les ai mis plein partout. Mais ce que je vais faire ça. Tiens, Hop. hop, on aura de la salade avec. Et hop. Donc les graines de Courgette. courgettes. Une courgette. Ouais, on en met combien? Bon, j'en mets ouais, je vais mettre 3 par pot. Ok. Voilà. Toujours la pointe en bas. Hein. On voit, il y a un trait tout autour de la graine. Tu vois? Hein? Et puis, ben, au bout de la graine, ça fait une pointe. Une Ouais. très fine pointe. Dans l'eau, il va arrondir. Donc, la pointe en bas. Voilà, pas de plus. Hein. Pas plus Bon. que ça. Et pour ceux qui, comme moi, ont un doute ou ne sont pas sûrs d'eux, ben, Voilà, moi, je mets ma graine comme à ça, plat. sur le champ. Voilà. Sur le champ, comme Ouais, ou comme ça. Voilà. Comme ça, ça. moi, je suis sûre que. Voilà, je suis sûre. Et là, C'est bon. 3 graines de coucourzelle. De toute façon, Là, je on fais ça. recouvre et puis. Arrosage. Enfin, on recouvre, on fait juste ça. De toute façon, mes graines de salade. On va pas y aller stressé. Oh mon Dieu, mais je vais pas te stresser tes graines de salade. Hop, un petit biscuit qui va bien. Toujours l'étiquette, hein, pas oublier. Ouais, et c'est parti. Allez. Bon ben voilà, écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hop. La petite chanson de Jaco On a toujours aussi. avec la date aussi pour s'en Ah rappeler. ouais, faut pas oublier. Le 18. Bon, vous n'aurez pas la vidéo le 18, mais. Ah non, là, ouais, on est le 18 juin, mais vous aurez la vidéo, je pense, aux alentours du 22-23, là. Avant le Hein. 25 décembre, c'est certain. Avant le 25 décembre. Oui, avant Noël, c'est mieux. Ouais, c'est sûr et certain. Les amis, bon jardinage à tous. À bientôt.